vu, ça a été... on a beaucoup appris en 3 semaines ou un mois en passant chez eux. Chacun d'entre nous, enfin, moi personnellement, j'ai passé 4 jours avec lui, 18 heures par jour, et ça a été une expérience. C'est 18 heures par jour. En comptant, arriver le matin, manger, problème de studio, tout là-bas, et non, ça a été une expérience extraordinaire de travailler avec lui aussi. Et ce point a mis à la vie. C'est pas parce qu'il est de l'état, du coup, après. Donc, en journée, après, si on peut avoir sa question, c'est qu'on a pas trop mixé les deux. C'est juste que c'est quelqu'un qui a une approche différente. C'est pas parce que c'est notre ami qu'on a passé le temps à parler aussi, mais si on a passé tout le temps à la référence, il a une certaine éthique du travail. C'est un technicien, et il a un planning, donc c'est bien, c'est utile. La raison pour laquelle on a demandé quelqu'un à l'extérieur, bien, c'est qu'on est à Maurice et on a pas une bonne expérience de rock à Maurice. Le reggae, le baga, le reste, on est très fort. Et on a essayé de voir ce cinéma qui est vraiment rock international. Et on était satisfait, c'est bien ça aussi, mais comparé que des trucs qui sortent en Angleterre, en France, en Amérique, les mêmes sont. Et on avait vraiment besoin de quelqu'un de l'extérieur pour vraiment avoir ce son-là. Et en étant dans le studio, c'est un studio avec toi et parler. Ils ont passé par les choses parce qu'ils avaient besoin de 15, 16 micros pour tout préparer. Mais si on avait changé le système, même pour juste pas avoir un son. Et c'est simple, c'était avoir le son qu'on voulait depuis tout court. Je pense qu'on a eu. S'ils aiment, j'espère qu'ils aiment. S'ils aiment pas, bon, on va essayer. Est-ce que votre album est une autoproduction? C'est une autoproduction, est-ce une autoproduction? C'est une autoproduction. Donc, on peut continuer la question. Est-ce qu'il y a une tournée vendue pour vous? Enfin, on va commencer avec une petite tournée de Maurice. Voilà, je sens que dans son livre de CD, en fait, déjà, merci, on va faire une petite tournée à l'Enoïse, dans la petite lieu, dans la petite salle de concert, il va à Croix-Doux. Et après, on va attaquer un peu à l'extérieur, on va commencer d'abord par la Réunion. Et avec la Réunion, essayer de rentrer dans le marché français. Et après, on va voir en fonction de la. Voilà. Pourquoi Frozen Reasons? Voilà. En fait, Frozen Reasons, c'est une des chansons de l'album. On a composé, on a fait il y a quelques mois de ça. Et nous, la chance qu'on a en tant que musicien, c'est que des fois on a des réflexions, on a la chance de pouvoir mettre ça en musique. Et comme tout le monde, des fois on se pose la question à quoi bon vivre, etc. Je pense que ça arrive à tout le monde. Et au final, voilà, il y a mille raisons de continuer à vivre, à faire ce qu'on fait, à faire de la musique. Et voilà, c'est ça, pardon, la danse. Donc, le prénom, c'est pour la première en orchestre. Pour le paiement Ça ne se fera pas carte de crédit, si vous avez carte de crédit. C'est pour ça que si vous n'en avez pas, il y a plus d'un euro, si on peut demander aux parents, etc. Si on peut prendre une carte de crédit, c'est bien. Allez, allez. Et voilà, il n'y a pas d'autre moyen malheureusement sur l'internet. D'autres questions? Oui, pour retourner à Bébé Brune, quel est le souvenir que vous gardez du concert avec Bébé Brune? Le souvenir, c'est. Je pense que ça fait mal à un souvenir assez spécial. Moi, le souvenir que j'ai, c'est que j'ai jamais vu des gens à Maurice aussi déchirés que ça dans un concert. Il n'y avait pas beaucoup de monde, mais
des jeunes qui étaient moins équipés, du coup, j'ai failli perdre une jambe, j'ai failli perdre un bras. Et à la fin, tout le monde est monté sur scène et on a joué avec les bébés brunes. Et voilà, pour moi, c'est ça, mon souvenir. Voilà. Et bon, ça veut dire ça, juste pour souligner que malheureusement, un concert comme ça, on s'attendait à ce qu'il y ait plus de gens là pour voir que nous, mais déjà, comme on peut mourir un sourire chez nous, moi, si c'était pas musicien, que j'étais pas jusqu'au le show, parce que c'était un peu pas les lumières, le son, la venue même des. Voilà, donc malheureusement, les gens n'ont trop le droit d'aller à venir sur ce concert-là, et c'est dommage, parce que c'était bien. Voilà. Ouais, il y a beaucoup de questions, c'est bizarre. Merci beaucoup. On avait prévu de jouer un ou deux morceaux d'album. On peut toujours le faire.